Comment il s'appelle le soliste là? Antonin, t'as vu comment s'appelle le soliste? Oui. Il s'appelle comment? Yeroen. Sara, come si chiama il solista? Geroen, questa non l'avevamo. E Emma, tocca a te. Yeroen. Dai! E leggi, come lo reggeresti? Geroen. Geroen, voilà, c'est une autre version. Pauline, t'as vu comment il s'appelle le soliste? Geroen. Geroen, c'est correct. Ouais, c'est juste. Plus ou moins. Il s'appelle comment le soliste? Comment c'est écrit? Géroin, je crois que ça sera ce qu'on va garder. Comment tu lis le nom du soliste? Comment il s'appelle le soliste? Jérôme. Ça sort de Jérôme belge. C'est ça. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre comme nom, hein. Il est de quelle origine? Il est belge. Ça, c'est un peu le souci de la chose, je crois. T'enregistres ça? Mais Vincent, il s'appelle comment le soliste? Tu sais comment il s'appelle? Non, parce que 15 heures, c'est là. Ici. C'est les grandes lettres. Jérôme. C'est la tête de quand c'est bizarre, fais voir. Voilà, merci. Il s'appelle comment le soliste? Je sais pas. Comment il s'appelle? Jérôme. Voilà. Jérôme, toi tu dis quoi, Michel? Non. Bastax, nous, vilise tout à. Géroïne, ça c'est la femelle du géron. Bon, franchement, je dis on l'appelle Gégé. Et Louis, t'as vu comment il s'appelle le soliste? Géroïne, voilà. Géroïne. Géroïne, celle-là on l'avait pas encore. Géroïne. Bravo. Tiens, merci. Viens là. Jérôme, Jérôme, bonne chance les amis.